Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Après les petits sacs à dos, nous allons donc réaliser un petit sac à main. Pour cela, je prends également du papier design dans la collection Escapade Tropicale. Et je vais prendre le même que ce petit sac là, celui-ci. Pour ce rabat-ci, j'ai choisi grenouille guillerette et je vais choisir pour le rabat de celui qu'on va faire ensemble, fleur de cerisier. Pour notre sac, nous avons donc besoin d'une feuille de 15-15. Alors là, c'est du 6 pouces par 6 pouces. Donc, je vais enlever les 2 mm qu'il y a de trop. Ainsi, on a vraiment du 15-15. Nous aurons besoin également d'une lanière de papier cartonné fleur de cerisier de 5 mm d'épaisseur par 12 à 13 cm de longueur. Celui-là doit être un peu plus long, donc on va recouper à 13 cm. Et je vais marquer à 1,5 cm de chaque côté. J'ai donc marqué ici de chaque côté. Et le milieu, j'assouplis le papier. Ça nous fera l'anse de notre sac à main. Nous aurons besoin également d'une chute de papier fleur de cerisier dans laquelle je suis venue déjà découper le rabat qui est le cercle numéro 2 en partant du centre du plus petit de mon set de poinçons framlite forme à coudre. J'ai fait également une découpe tirée du set de poinçons framlite étiquette à coudre et j'ai choisi ce cercle là qui est plus petit que le plus petit de ce set là. On pourrait très bien aussi associer ce cercle là avec ces formes là. Ça, c'est plutôt génial. Et puis, j'utiliserai également cette forme-là pour mettre à l'intérieur un petit message, un petit geste attentionné en soleil la journée. Et je glisse à l'intérieur de mon petit sac un chocolat pour mettre sur la table pour mes invités. Cette étiquette est tirée du set de tampons au bord de l'eau. Et j'aime beaucoup ce tampon. Un petit geste attentionné en soleil la journée. Et puis, il nous faudra également un aimant, puisqu'ici, j'ai aimanté mon petit sac. Je vais prendre maintenant ma planche de marquage et je vais marquer avec le stylet qui est glissé ici sur ma planche. Je vais marquer à 5 cm, puisque sur ma planche de marquage, ici, j'ai la planche en inch et ici, j'ai la planche en système métrique. Donc, je marque à 5 cm et 10 cm. Ce qui nous fait tous les 5 cm. Je tourne d'un quart de tour et je fais la même chose. 5 cm, 10 cm. Tant que j'ai ma planche de marquage sortie, je vais prendre le cercle que j'ai découpé, qui a les petits points de couture et je vais le positionner entre 15 et 20 et là avec mon stylet je vais faire une toute petite trace à 17,5. Ici j'ai un petit repère, je me recale comme tout à l'heure et je vais glisser légèrement ce repère de façon à ce qu'il se retrouve au centre entre 17,5 et 18. Donc il est à la moitié entre ces deux. Donc il est décalé, vous voyez, sur les bords. Et ainsi je vais marquer de chaque côté à 17,5 et à 18. Je peux appuyer mes plis. Et tant que j'ai ce cercle qui va servir de rabat à mon sac à main dans les mains, je vais prendre mon cutter et je vais tracer une fente sur les points de couture entre mes deux traits de chaque côté. Ainsi, je peux venir glisser l'anse de mon sac à main dans ces fentes que je viens de tracer. Et je mets un point de colle de chaque côté. Je les glisse jusqu'à la ligne de pliage.
Et de cette façon-là, l'anse de mon sac à main va être beaucoup plus solide. Il ne va pas se décoller. Quand on colle ici sur le dessus, l'inconvénient, c'est que ça tient beaucoup moins bien. Ici, c'est beaucoup plus solide. Je reprends mon papier design et je vais maintenant couper les angles du trait de marquage ici au trait de marquage là. C'est-à-dire, je trace une diagonale au milieu de ces quatre carrés. Je ne la trace pas, je la coupe. Je positionne la pointe de cette ligne de marquage dans la rigole ici et la pointe de cette ligne de marquage ici dans la rigole. Et hop, je coupe. Nous obtenons cette forme-là. Je vais maintenant appuyer mes plis en étant bien parallèle au traçage du dessous. Ensuite, je vais former une diagonale dans ce sens-là. Et pour cela, je vais venir superposer ce trait ici sur celui-là. Pour l'instant, on se fiche de savoir dans quel sens on plie. L'important, c'est de bien superposer et c'est plus facile de le faire en partant sur l'extérieur que sur l'intérieur. Mais après, effectivement, notre pli, il viendra se reformer à l'intérieur. Et on viendra le rappuyer comme ça. C'est plus facile dans un premier temps. On a plus d'aisance en l'appuyant sur l'extérieur. Et j'aligne bien aussi les deux bords l'un sur l'autre. Et on peut refermer et on obtient un cube. Une petite chose encore, sur deux côtés opposés, je vais tracer deux diagonales encore. Je voulais le petit rappel de rose ici, donc je choisis de conserver ces deux-là. Et là, sur ces deux côtés opposés ici, je vais venir tracer à 2,5 cm. Je prends la nouveauté Stampin' Up du catalogue automne-hiver que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Je trace à 2,5 cm, je fais une petite marque que l'on voit à peine. Et je viens, en partant de cet angle-là jusqu'à la petite marque que je viens de faire, je trace une ligne de pliage en diagonale. Et sur le côté opposé, je fais la même chose. Je marque à 2,5 cm. Mon petit repère, je pars de l'angle, je trace une droite à partir de ces deux points de chaque côté et j'obtiens un triangle ici, un triangle là. Je viens les appuyer. Et voilà, tous les plis de mon mini sac sont réalisés. On n'a plus un cube maintenant, mais on a un triangle. Il suffit de venir coller le rabat sur un des côtés. Et vous voyez déjà, oups, mon sac est pratiquement terminé. Je vais coller mes aimants. Pour placer mes aimants et les cacher surtout, j'ai fait une première découpe dans le set de poinçons étiquette à coudre dans le papier cartonné fleur de cerisier et je vais en faire une autre dans du papier escapade tropicale. Et je vais également faire avec cette découpe ici. Donc là, je vais faire une découpe comme celle-ci.
dans ce papier-là. Et avec cette découpe-là, je vais faire cette étiquette au fond. Et avec mon Stamparatus, le tampon est là. Je vais venir tamponner sur mon papier fleur de cerisier avec la Versamarque. Je mets une feuille toujours pour protéger. Comme ça, je peux refermer. Ça ne va pas salir mon tapis. Bon, là encore, c'est de la Versamarque. Ça ne se voit pas trop puisque c'est transparent. Mais si c'était de l'encre, mon tapis finirait par être très sale. Et je vais verser la poudre Incolor. Au nouveau catalogue annuel, nous avons des poudres à gaufrer aux couleurs Incolor 2018-2020. Donc 5 couleurs, en plus du noir qui n'existait pas auparavant. Et je chauffe ma poudre avec mon pistolet chauffant. Voilà, je n'ai plus qu'à passer ceci sous ma Big Shot et je pourrai la coller au fond de mon petit sac. Je reviens avec mes deux découpes. Voilà pour mes découpes. Ce set de découpes, d'ailleurs étiquette à coudre, que je n'ai pas eu encore l'occasion de trop vous montrer jusqu'à présent, permet de réaliser de magnifiques découpes, notamment cette étiquette-là. Qui est superbe. J'ai utilisé en décoration sur une boîte. Je vous montrerai sur ma page Facebook la photo des boîtes que j'ai décorées avec cette étiquette. Je vais donc coller au fond de mon petit sac mon sentiment. Je n'ai plus qu'à m'occuper de mon aimant. Je prends une rondelle sur laquelle je place du double face. Je vais venir coller légèrement décalé vers le haut. Et je colle cette rondelle-là ici. J'aurais pu faire le raccord, je l'ai fait pour celui-ci. J'avais fait le raccord. J'avais choisi parmi mes découpes celui qui allait le mieux. Bon, voilà, je vous invite à faire comme ça. Là, je ne l'ai pas fait. Comme je filme et que je ne veux pas recommencer, tant pis. En même temps, c'est pas dramatique. C'est juste un peu moins réfléchi, va-t-on dire ? Et pour que ça colle bien, je viens former le cercle autour de ma rondelle. Ensuite, je prends mon aimant. Mes aimants, je les achète chez Magnette. Ce sont des spécialistes justement pour les aimants. Et vraiment, ce sont des aimants de bonne qualité. Ils sont à des prix tout à fait raisonnables. Je vous mettrai d'ailleurs la référence de leur site sur mon blog. Je vous rappelle mon blog www.coccinellescrap.blogspot.fr. Je viens positionner mon aimant qui fait 8 mm de diamètre par 1 mm d'épaisseur. Moi, j'aime bien lorsqu'ils sont bien fins. Il faut savoir qu'un aimant, plus il va être gros, plus il va être fort. Donc, je privilégie le diamètre à l'épaisseur. Mais après, chacun fait comme il l'entend. Je positionne mon aimant de façon à ce qu'il colle sur ma rondelle. Et je viens placer dessus du double face. Je referme mon sac et je viens appuyer dessus. Ainsi, mon aimant est placé exactement là où je veux. Et pour le cacher, je viens coller dessus ma petite rondelle. Alors, comme elle est un petit peu plus large par rapport à la pliure ici, donc je vais faire un petit repère au crayon et je viens tracer une ligne de pliage pour que la rondelle se plie bien avec le rabat. Je viens coller cette rondelle sur mon aimant.
je n'ai plus qu'à coller devant un petit bijou. Il y a plusieurs possibilités puisqu'on a pas mal de petits éléments de décoration à l'intérieur du catalogue. Soit on met ces gemmes facettées, soit on met ces petites roses qui sont magnifiques, qui font partie d'un lot avec des étiquettes, des mini trombones, de la ficelle à rôti. Et donc vous voyez les petites roses. Soit nous avons des petites roses aussi de trois couleurs au catalogue. On a plusieurs possibilités. Là, je vais mettre cette petite rose. Comme sur les deux autres, là, j'ai mis des gemmes facettées. Sur celui-ci, j'ai mis une petite rose et je vais faire pareil sur celui-là. C'est autocollant, il suffit d'appuyer. Et on peut glisser notre chocolat à l'intérieur. Voilà mes petits sacs à main pour décoration d'une table. Tout comme les sacs à dos, je sais que ces projets vous ont plu. Vous avez maintenant tous les éléments pour les reproduire à votre tour. Je vous souhaite bon scrap, une bonne semaine et à bientôt. Au revoir, portez-vous bien.